Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Warrior Three Hopes. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre progression dans le jeu en faisant le territoire de Irm, zone Est, la pacification de Irm. Les flammes de la révolte ont embrasé le territoire de Irm pour empêcher l'incendie de se propager. Vous vous dirigez vers la ville censée être le foyer de l'insurrection. Oui, nous n'allons pas faire toutes ces petites missions ici présentes, comme je l'ai déjà dit dans certains autres épisodes. Je veux me concentrer sur l'histoire. Puisque c'est, il n'y a presque plus que ça qui m'intéresse dans le jeu, quasiment. J'aime encore le gameplay, hein, ça reste cohérent, mais je le répète, je l'ai déjà dit, je trouve qu'il ne se diversifie pas tant que ça, et c'est normal, hein, c'était déjà une lacune des précédents museaux que j'ai fait, enfin des jeux Warrior quoi, finalement. Nous arriverons trop tard, professeur, il ne reste plus qu'elle. Quel cauchemar. Non, pas mon Miguel. Rendez-moi mon petit garçon. Je suis désolé, votre enfant, il est parti. Vous devez continuer à vivre, venez avec nous. Facile, hein. Facile à dire, difficile à faire. Hein. Léonie, pouvez-vous l'emmener? Je vais inspecter l'autre côté. Enfin, facile à dire, je suis pas sûr, mais... Un peu plus à accepter, quoi. Venez avec moi, madame, ça va aller. D'autres bandits arrivent, ce sont des ravisseurs. Mais on est d'accord, ils sont chez les Dimitri, Oh, manquait plus que ça. Allez, on peut pas rester ici. Nous sommes bien trop nombreux. Je crois que ces rues sont mon tombeau. Seront mon tombeau. Cette ville est encore pire que les autres. Vite. Attendez. N'est-ce pas le professeur Hahnemann? Tout le monde avec moi. Nous devons organiser un sauvetage. Je refuse de voir une autre victime innocente aujourd'hui. Ces monstres vont le payer. Non, ils étaient chez nous en retraite. Ah, c'est vrai. Non, c'est ça. On est battu en retraite. Ça, on a battu en retraite, donc ils étaient chez nous. Mais pourtant, Hahnemann, il est à l'église, non? On l'avait recruté. Anna? Anna? Oui, alors... Alors oui, j'ai dit des choses. Il est vrai. Il est vrai. Mais là, je ne peux pas me permettre de laisser Léonie crever sur le bord de la route. Milice en détresse. Hop. On va aller faire cette petite bataille-là, comme ça je gagne 10 points supplémentaires. Et puis voilà. En gagnant 10 points supplémentaires, on pourra facilement... Prendre Idle Guard. Et bah il laisse, allez-y. Je prends 10 points supplémentaires, comme ça je pourrais persuader Léonie. Donc Léonie n'en rêve. Hahnemann il est déjà avec nous, mais Léonie non, c'est ça le... Il me semblait que j'avais pas recruté Léonie, mais c'est chelou. Parce que Léonie, elle était avec le chevalier de l'ordre de son père. Non, c'est pas du tout. Je comprends avec Annette, là. Ça va pas du tout. C'est les chevaux oranges qui m'ont perturbé. Non, je comprends avec Annette. Et voilà. Ça va pas du tout. Comment je peux confondre Léonie à Danette? C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe, là? Alors, l'invocatrice se prépare, là. C'est l'invocation. Yori, tu les défonces, s'il te plaît. De le garde, tu les éclates. Et Byles, c'est avec un désavantage, quoi. Ça, pas du tout. Les chaises, t'es en désavantage aussi. Bah écoute, on va jouer de le garde parce qu'elle est seule contre 3. Ils sont tous barrés, évidemment. Quand j'ai utilisé mon coup spécial. On en a eu deux d'un coup. Hop. Ne leur donnez pas l'occasion de riposter. Mais Yori, enfin. Ah mais oui, il peut pas faire le fond sur tous, là. Mon chaise. Il va falloir les défendre, là. Hop. Mais pourquoi la touche pas? Et voilà, ça dégage. Naboo, l'invocatrice, dans le temps imparti, mettait fin à l'invocation. Ah, elle est là-bas. Ouais, mais du coup, Vas-y, Byles. Les bouches ton cul surtout. Kigori vient de chez les OS. Bien joué. Se bouger. Invocatrice. Elle est où? Elle est là. Salut. C'est moi qui tire les... Non. Je fais rien du tout de mal.
Ah ouais, non, mais c'est vrai que Byleth. C'est du grand n'importe quoi là. Elle les arrête dans le temps. Hashtag Sotis. Et elle les éclate. Paf. Écoutez. Très efficace. L'invocatrice, ça dégage. On va faire le chef de bastion. Le voleur a fui. Ah bah j'ai pas capté qu'il y avait un voleur. Bah rip. Hein. Tant pis comme on dit. Hein. Voyons si ce plan fonctionne. Je sais pas. Lanceuse de feu 4, non ça c'est nous. On envoie des flèches. On déclenche une volée de flèches. Bah on sait ce qu'il te reste à faire Bayes. Ça va dégager. Défie ça. Salut. Tu parles de toi maintenant quand tu dis now die, hein, on est d'accord. C'est beaucoup trop fort. Paf. Ils peuvent plus attaquer. Et puis ensuite ils sont libérés et ils crèvent quoi. Complètement pété ce pouvoir. Est-ce que c'est du niveau de Link dans Hyrule Warriors vers du fléau? Peut-être pas quand même. Hein. Link il est moins fort. Hein. Non, je sais pas si. En vrai, je sais pas si c'est moins fort. Ils éclatent quand même dans Hyrule Warriors, mais. Il n'y avait pas des pouvoirs comme ça avec Zadar. On a fini par les avoir, eux. Bon, Yuri. T'as un autre à buter là. Tadam, tadam. Hop. On y retournera un jour, hein, sur Hyrule Warriors. Mais, je sais pas quand. Je sais pas quand. Clairement pas tout de suite parce que il reste encore Fire Emblem Warriors à faire. Et je pense que, comme c'est le gameplay qui m'emmerde un petit peu, certes c'est du Zelda, mais il restera plus que le combat à faire. Donc, on y retournera, mais pas tout de suite. In fact. Il est certain. Donc, ouais, quand on aura fini de faire Fire Emblem Warriors, faudra compter quelques mois, je pense. Donc, ouais. Si en 2024 on a commencé, c'est pas mal. Non, peut-être pas 2024 quand même. On aura fini ça d'ici là. On aura fini Fire Emblem Warriors. Probablement. J'espère. J'espère, j'ai envie de vous dire, parce que 2024, il y aura quand même pas mal d'autres jeux. Hein. Ça tabasse, ça par contre. Hein. Yuri. Parce qu'il y aura. Je sais pas si Layton il sort en cette année. Il sort en 2023. On aura des infos probablement bientôt en fait. Quelque chose comme fin juin, je dirais. Je suis pas sûr qu'il fasse un direct pour le. Ce qu'aurait dû être le 3. Je sais pas trop. S'ils font fin juin, mi-juin. Tout va dépendre. Mais je sais pas si du coup Layton il sort cette année. Ils vont commencer à parler Metroid Prime 4. Peut-être. Hein. Ils ont sorti Remaster de début d'année. Ils pourraient tout à fait faire Metroid Prime 4 cette année, mais je pense qu'ils pourraient l'annoncer. Mais ça serait plus dans genre, le direct de septembre pour l'année prochaine. Je pense pas qu'ils l'annoncent en juin. Après, c'est vrai qu'ils avaient annoncé Dread en juin. Je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas. Partirait plus. Ça me paraît un peu tôt de sortir Metroid Prime 4 cette année par rapport à Tears of the Kingdom. Je pense plus à un Mario par exemple pour fin d'année. Refaire ce qu'ils avaient fait tout simplement en 2017 avec Breath of the Wild en début d'année et Mario Odyssey en fin d'année. Là je pense qu'ils peuvent refaire avec Tears of the Kingdom là qui est sorti au début d'année. Ils peuvent refaire un Mario en fin d'année quoi. Qui pourrait annoncer là. Le 3, ça me paraît plus probable. Et en septembre, voire janvier de l'année prochaine, Metroid Prime 4. Mais je pense un petit teasing pour Metroid Prime 4 en fin d'année, en septembre, ça peut être pas mal. Voilà, c'est mes prédictions. Ça se trouve, ça sera pas en septembre, mais. Quand même. On va prendre Léonie, et puis c'est tout, hein. Pas besoin du reste. Alors, chaise.
contrôle Yuri également. Baides c'est les mêmes, c'est un peu con. Ils sont tous une épée en même temps, c'est normal. Jaritsa. Où es-tu mon bon Jaritsa? Voilà, Jaritsa les éclate tous. Bah, c'est un peu con d'avoir Baides et Yuri. Ah Yuri il est plus fort que Baides ça. Faudrait que je change de classe à Baides. Parce que là en EPI ça ne sert pas à grand chose. On pourrait mettre Geralt. Mais bof. Ah Shamir elle est. Ouais, Shamir elle est pas mal. Certes ça prend les mêmes, mais il y a tout ça en bas aussi. Après je peux virer Yuri hein. Peut-être mieux dire. Petra, elle est pas dégueu Petra. Ça me permet d'aller prendre ce duo aussi. Avec Jaritsa, très bien, on va faire ça. J'ai même pas regardé les 4 autres. Oups. J'ai pas regardé les 4 autres. C'est une, avant tout une mission de rescousse. Ok. Une mission de rescousse. Souvenez-vous, ceux qui ont perpétré ces atrocités se dissimulent peut-être dans le chaos. Aïe. Si vous les trouvez, tuez-les sans pitié. Tout à fait, Delgarde. Pour protéger les évacués, nous devons défendre cet abri coûte que coûte. Restez sur vos gardes. Empêchez la chute de l'abri d'évacuation. Oui. Combien de ces malandrins y a-t-il? Je ne peux pas protéger tout le monde éternellement. Ah. On va envoyer une percée alors. Ta-ta-ra-ra. Petra, tu pourras aller là-haut plus tard. Pour l'heure. Tu tapes cela aussi. The sky spirit watches over me. Start advancing. Pourquoi j'ai accès les... J'ai dit d'aller là. Ah non c'est Shamir qui va là. Bon les Shamir là plutôt. Et chaise. Bah avance aussi. Hein. De toute façon on est te dire. Va avancer, hop. Toi tu dégages. À l'attaque, suivez-moi. On te suit. Ah. Salut Léonie. C'est bien ça, elle est contre nous, elle. Mais elle vient de l'Alliance. L'Empire est venu apporter son aide. Ah mais non, elle est avec nous. Mais c'est, on a un pack d'Alliance. Je suis complètement perdu, hein. Comment j'ai pu... Mais j'ai vraiment confondu avec Annette, en fait. Hein. Évidemment qu'elle est avec l'Alliance, on l'avait... On l'avait dans la route principale avec nous, précédente avec nous. Oh, je m'excuse là, je suis pas réveillé je crois. Je crois que je suis pas bien réveillé. Ça doit être ça hein. Là, je me suis réveillé il y a 20 minutes. Donc c'est sûr. Ça aide pas. Hein. Je suis littéralement sorti du nid. Hein. Bref. Alors. Ceci explique peut-être cela. Hein. Le cerveau n'est pas encore bien. T'as pas encore les idées en place. Tu vas où, Léonie là? On a dit de te suivre, Jaritsa, tu vas n'importe où. Moi je te suis, hein. Con comme je suis, tu me dis de te suivre, je te suis. Et puis là, oh bah non. Tu fais n'importe quoi. On va jouer chaise, hein, du coup. Y'a pas quelqu'un qui défonçait tout? Jaritsa, il défonce tout, hein. Non, il défonce pas tout, Jaritsa. C'est qui défonce tout? C'est Shamir qui défonce tout. Petra elle galère. Enfin, vous êtes 6 sur un bonhomme quoi. Chaise elle s'en prend 4. Ne sortez pas ça du contexte s'il vous plaît. Merci. Alors. Quand même, toi tu le tues. Bah, t'as même pas. Mais tu m'as connu à mieux. Tu m'as habitué à mieux, Jaritsa. Enfin. Y'a quelqu'un? Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît. J'ai perçu des citoyennes se faire attaquer par les voleurs. Oui, oui, oui. Nous viendons. Nous viendons. Aucun noble dit de ce nom, on peut ignorer les cris des engins aux citoyens. Enfin, les citoyens en danger. Bah oui, enfin. Hanuman est en difficulté. Bah évidemment qu'il est en difficulté. L'HS qui met 15 ans à venir là. Avec 15 ans à venir. Il est où ce con d'Anoman? Putain, il est tout là-haut. Je crois qu'on va laisser tomber eux et on va aller chercher Anoman. Hein. Ok, voilà.
Salut Hanuman. Hanuman von Essar. Jamais douté que vous viendrez, mais bien avec l'Empire lui. J'ai tout confondu, hein. J'ai confondu avec la précédente mission de sauvetage qu'on avait fait sur Hanuman. Bon, c'était pas sur cette map d'ailleurs. Également. Je suis pas certain sur le dé. Il me semble pas qu'il faisait nuit comme ça, mais. Possible que c'était la même map de jour, hein. C'est une possibilité. Hein. Paf. Soit tu meurs. Heureusement que nous avons pu rejoindre le professeur Hanuman à temps. Bah oui. C'était un bon endroit pour faire les affaires. Oui, c'est bien bel endroit. C'est la même bataille. Paladro. Il y avait Dorothée à l'époque. Ça sera peut-être Léonie du coup. Je n'ai pas de healer. Je vais se faire empoisonner. Merde, j'ai pas de healer. Fuck. Comment aussi de les voler. Salut Dorothea. C'est bien celle-là. Hein. Je la reconnais. Ouais, alors Shamir, c'est bien, mais. Toi, à la base, c'était là, non? Peut-être pas. On va buter lui. Toi, tu butes lui, mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Je sais pas ce que vous foutez, vous. Ah oui, t'as pas Bernadetta qui défend, c'est bien. J'ai mis deux là. Ouais, bah c'est ça, les deux sont là en fait. Ok, les que chaises, très bien. Shamir est en train d'attaquer le marché bondé. On va jouer Shamir un peu. Hop. On va pas nous embêter comme ça. Il a bien éclaté. Shamir a pris le contrôle. Mais tu vas où? Non mais sérieusement, pourquoi ils vont tous là-bas en fait? Y a rien là. Y a un pecno ennemi. Je leur donne pas de mission et ils vont n'importe où. C'est quoi le délire? Pas d'un câble. Elle est buggée l'IA. Hein. D'un coup ils se disent allez. On va là où y a rien quoi. D'accord, c'est complètement con. Allez, on va s'énerver un coup. Ta 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 la. Hop, ça dégage. C'était pas le moment de venir le voleur là. Elle est vénère la chaise. Ça a empêché le voleur de fuir. Allez, viens. Quoi, mais ce n'est pas moi, vous vous confondez avec. Très bien, faites comme vous voulez. Jaïtsa est en train d'attaquer la ruelle. C'est bien. C'est bien, Jaïtsa. C'est exactement ce qu'on t'a pas demandé de faire, mais. Quoique, peut-être que si. Allez, montre-toi, Paladro. Point d'interrogation, on rappelle, hein, c'est pas le même Paladro. C'est pas le vrai. Il s'est fait éclater, hein, le pauvre. Il montre à nouveau votre force. Il est vaincu Paladro, point d'interrogation. Haha, et en fait, non. Paladro Davino. J'ai eu un coup de génie de coller ce double-là. Maintenant, je devrais filer avant que le butin m'échappe. Bien sûr. Évidemment. Un instant, alors là toi t'es un faux, ce n'est pas juste vous payer pour ça. Et ouais. Bon, il va clairement payer. Hein. Salut chaise. Bon, Shamir, pardon. C'est pas le niveau supérieur. Il y a un milliard de trucs là. Taux de butin plus, je sais pas s'il est marqué là. S'il nous a donné ça. C'est un corps, c'est pas la drôle, c'est quoi? Ah, je vais pas arriver à temps. Ah, peut-être que si. Si. C'est pris le coup final. Efficace. Et ben voilà.
Mais j'aurais mieux fait de rester marchand. L'argent rentrait sans effort. Et oui, Paladro. Vous avez vaincu Paladro, est-ce que Léonie va se faire empoisonner? J'ai déjà vu ce bandit quelque part, n'était-il pas un marchand qui fréquentait Garrig Mac? S'il vous plaît, aidez-moi! J'ai aperçu des citoyennes se faire attaquer. Les citoyens. Méthodé. Ah ah! Et tu es cet homme et dépouillez-le de tout ce que vous trouverez! T'as déjà vu toi, non? Pas dans cette route. Et j'ai quatre clampins qui sont là, mais qu'est-ce que vous foutez là, sérieux? Non mais c'est atroce, hein. L'IA, elle est full buggée. C'est l'IA, on est d'accord, c'est pas moi, là. Je sais que je leur donne pas d'ordre, mais les ordres de base, ils sont complètement fumeux. C'est quoi le délire, là? Ils vont je sais pas où, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, en fait. Y'a personne. Ils vont où? Y'a un pecno. Ils sont assis dessus. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Allez, meurs. Paf. On a pas fait les 6000 coups sur celui-là. Économisez votre souffle. Que dalle. On économise que dalle. C'est 3000, hein. 3004. Est-ce que ça se cumule? Bah oui, ça se cumule. Eh, ça se cumule. Faut continuer. Continuer l'effort, chaise. C'est mon bro, là. Est-ce qu'on va atteindre les 6000? Ouais, il dit que vous êtes mort, non? On vit des gens. Il n'y a plus de gens, là. Je suis enlisé dans un endroit où il n'y a plus de gens. Ah, si, il y a des gens, parfait. On va atteindre les 6000, et ben voilà! J'ai jamais capté qu'il y avait autant de coups. Ah, même les 7. Oh là là, facile. Hein. Ah, le pont. Utilise la commande pour abaisser les ponts-levis. Et ne pas appuyer sur A. Hein. Petit tips, hein. Petit conseil. Faut pas appuyer sur A pour le pont-levis. Putain, mais j'appuie sur Y pourtant. Hein. On aurait fait les 7005. Le vie baissé, super. D'accord qu'on les laisse crever les autres. Bon bah on n'aura pas dépassé les 7500 coups. Enfin je crois. Hein. Les autres sont en PLS. On est en train de s'attaquer au menu fouettant là. Moi elle me saoule elle. Il va se prendre un A juste sur sa gueule. Sur sa gueule. Paf. Elle m'a saoulé. Ah, c'est même sur le point de jeter des armes, mais... T'as Chamir juste à côté et... J'arrive. Aide-le. Vous savez qu'il était en PLS lui, mais... Et quand même. Ok, on a secouru les citoyens. Ouf. Tout le monde était sauvé. Maintenant, nous pouvons nous consacrer à ta tâche à accomplir. Oui. Juste contre méthodique. Hein. Il est là, c'est ça? Paf. Il est à bout de méthodie. Il est là-bas, c'est ça, c'est le cercle vert. En gros sur la carte. Tout à fait. Bon bah meurt du coup. In fact. Je t'ai demandé de crever, tu crèves. Et bah voilà. Easy peasy. De pitié, s'il y a quelqu'un, ne m'abandonnez pas, non. Tu les aurais. Tu as été le premier à les laisser crever. Hein. In fact, il y a un coffre là-haut.
Cet homme était corrompu, mais il n'aurait pas pu orchestrer cela avec ses maigres capacités. Les serpents des ténèbres sont derrière cela. Une bête démoniaque vient d'apparaître. Il n'y a plus d'empoisonnement. Je parie qu'ils étaient impatients de voler cette petite surprise. Ok. Il est à bout de la bête démoniaque. On va faire un... Enfin, c'est total. Est-ce que c'est du poisson lâche? Ah bah non, le poison est là. Il vient de se faire empoisonner. Évidemment. Persuadé. Faites attention à vous. C'est là qu'on va crever du coup. Elle va crever. Pas Linhart avec moi. Attendez, est-ce qu'il y a Linhart? Je crois qu'il y a Linhart, non? Hubert, est-ce qu'il peut soigner Hubert? Défense, annule les ordres. Non, j'ai pas de soins là. Dorothea, je crois qu'elle soigne là. Non. J'ai oublié le soigneur. Bon bah rip, hein, il n'y aura pas de soigneur. Allez, bouchons cul, Léonie. Mais Léonie, tu fais quoi, sérieux? T'attends quoi pour te bouger? Putain, mais t'attends de crever en fait. Elle attend de crever. Je suis empoisonné, bon bah je bouge pas. Attendez qu'on lui dise où aller. Je viens de le prendre le... Ouais, ouais. Comment ça, elle est en difficulté? Mais c'était full life. T'es full life. Bah oui, évidemment. Ok. Ouais, c'est bon. C'est un poison rotor, en effet. Je ne suis pas un spécialiste, mais je ferai tout ce qui est possible. Ah bah voilà. C'est bon. Allez, où? On va aller dessous, certes, on va aller dessous. On se fait tabasser, hein. Fait des dégâts de vent. Dégâts de lance. Mais oui, cette bête ne fait rien. Y'a rien dans cette bête. Attaquer, bah oui, évidemment. Il y a quelqu'un en bas, merde, effectivement. Il y a un quelqu'un. Vas-y. Hop. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, il y avait plus de plein de vie. Fuck. I'll take point. Les chaises. Là, si je le tabasse, il meurt. Hein. Logique. Hein. A priori, il devait crever là. Non, pas encore. Un deuxième. Un autre. Non, pas besoin. Paf. Rares sont ceux qui rivalisent avec vous. Il faut que vous rentriez avec moi en Brigitte. Mais tu vas rester là, surtout Petra. Vous avez vaincu la bête démoniaque. Et oui, la bataille n'est pas finie. Quel soulagement, nous n'avons plus craint dans la ville que la ville soit détruite. Michel, j'aurais dû deviner que ces bandits ne feraient pas uniquement office d'appât. Ah. Il y a Solon. Sympa qu'il était là, lui, par contre, quand c'était les poisons. Serpent des ténèbres. Solon. Mon nom est Solon et je suis le sauveur de ce monde infesté de bêtes. En te transformant en une créature encore plus hideuse qu'une bête. Bien joué. Et pas plus intelligente, hein, d'ailleurs. Un mage mystérieux. Oh ben non. Invoquer un mur de ténèbres autour de Solon. Ils vont où? Allez, va tuer ça, toi.
Not a problem. Que Petra qui est là. Je vais rester à les défendre. Et c'est tout. Chaise. C'est les mages mystérieux, les mages mystérieux qu'il faut tuer. T'inquiète. Capturé. Non, Solon doit être abattu ici maintenant. Ouais, mais il y aura Thalès qui va venir le sauver, je crois. Je confonds avec un autre truc. Je crois pas. Hein. Jarissa est en panique, il sait pas où aller. Tu vas sur celui où il n'y a pas chaise, enfin. C'est pas possible. Bernadetta se bat avec un handicap. Bah ouais, bah Shamir aussi, hein, je te préviens. D'ailleurs, on peut peut-être se mettre à pied. On aura plus d'handicap. Tout à fait. Ce qui est quand même assez intéressant. Ok, j'ai bien fait de laisser Petra en bas. C'était évident. Bien sûr, il frappe là où nous sommes les plus vulnérables. Aux armes! Nous devons défendre l'abri. Tout sera en vain. T'inquiète pas. Le chaise, il a tout fait. Petra est au-dessus. Détruisez-le! Mais non. C'est vous qui allez crever. Voilà, là, cette esquive. Son nombre là quand même. Ok, il y a ça qui a disparu. Le mur des ténèbres est dissipé. Hop. Alors le problème de Fire Emblem Heroes en plus, c'est que... Enfin, Warriors plutôt. Free Hopes. Fire Emblem Heroes, je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que j'ai rejoué pour gagner des points platine, mais... Mais écoutez, non. C'est pas ça que je parle. Mais pourquoi vous venez là en fait, merde. Vous m'emmerdez là. C'est atroce. J'en peux plus de ces alliés là. Je sais pas où ils vont. Tu leur donnes pas d'ordre une seconde et ils sont fous perdus quoi. Bref. C'est que les épisodes ne durent pas pile une demi-heure. Ça dépasse. Donc je crois que le prochain il va durer moins de temps. Parce que ça me nique tout mon planning après moi. On dirait que nos adversaires savent des choses sur nous finalement. Vous avez vaincu Solon. Qu'il en soit ainsi, notre chance se présentera bien assez tôt. Pas du tout. Solon a battu en retraite. Quand bien même nous savions qu'il tenterait de s'échapper, nous n'avons pas pu l'empêcher. Cela devrait mettre fin à un désordre en ville, vous êtes battu vaillamment. Après, je peux faire aussi un épisode plus long, voilà, c'est tout, hein. Je m'arrête là. Hein. J'en fais pas un second dans la semaine. Ah, c'est possible ça. C'est possible, c'est ce que je veux faire. Nous avons fini d'évaluer les dégâts et le bilan est vraiment sombre. L'intervention rapide de nos sauveteurs a permis de libérer les villageois qui avaient été enlevés. Mais d'innombrables personnes ont perdu leur maison et leur famille. Les bandits ciblent les villes les plus peuplées par ici. L'Alliance semble s'être confrontée au même problème de l'autre côté du fleuve sur les territoires d'Ordelia. Je ne peux pas leur rendre ce qu'ils ont perdu. Tout ce que je peux faire, c'est leur laisser le temps de panser leurs plaies et de reconstruire. Le plus frustrant, c'est que Solon et les autres ont encore réussi à nous échapper et que nous n'avons pas appris grand-chose sur eux. Pardon, Votre Majesté. Leur magie de téléportation ne ressemble à aucune autre magie blanche connue et ne peut être interrompue, ni bloquée. En outre, une ville comme celle-ci leur offre beaucoup trop d'endroits où se cacher. Je ne vous fais aucun reproche, Hubert. Ce type n'a même pas eu l'air d'avoir peur de nous. Que peuvent-ils bien chercher? Rien de très honorable, c'est sûr. Assez parlé, procédez comme convenu. Assurez-vous que les survivants ont tout ce qu'il faut pour continuer. Espérons juste qu'il n'y ait pas des méchants à l'intérieur. Qu'ils se fassent passer pour des villageois. Des serpents des ténèbres, par exemple. Ils se font passer pour un petit innocent. Villageois qui s'est fait agresser. Et qui va planter Léonie dans le dos après. Je sais pas pourquoi Léonie, mais Edelgard. Plus logique, plus cohérent. Edelgard, pourquoi nous avoir convoqués comme ça si soudainement ?
s'invoquant de l'Empire. Nous sommes très occupés à remobiliser les troupes, vous savez. Ah, Ferdinand, n'avez-vous donc pas remarqué le balai incessant de messagers? Difficile de l'ignorer. Avec le tumulte qu'il provoque, que s'est-il passé? Je m'excuse de vous demander de réitérer votre rapport, mais voulez-vous bien répéter à toutes ces personnes ce que vous nous avez dit? J'apporte un message très urgent du territoire de Bergiez. Le fort Merceus a été pris. C'est arrivé après le départ du gros de la garnison pour les terres de Irm. Certains soldats ont apparemment organisé une rébellion de l'intérieur. Au même moment, le fort a été attaqué par des mages non identifiés, ainsi que par l'armée de l'ancien duc Aegir. Ensemble, ils ont réussi à atteindre le cœur de la forteresse et à en prendre le contrôle, capturant de nombreux commandants et leurs familles. Aegir, dans ce cas, celui qui est derrière tout ça n'est autre que l'ancien duc lui-même, monseigneur. Il semblerait qu'il soit finalement sorti de sa cachette. Je vois, c'est son papa donc. Ils utilisent les otages pour forcer les soldats qui nous sont loyaux à rejoindre leur rang. Tout indique qu'il compte utiliser le fort comme point de départ pour marcher sur la capitale. Attendez, quoi? C'est catastrophique. Mon frère est stationné au fort Marceus. Fait-il seulement quelque chose? Le successeur du comte Bergliez, qui commandait la garnison en son absence, a été fait prisonnier. Il a apparemment eu la sagesse de refuser de rejoindre la rébellion. Je ne sais pas s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, mais je suis content qu'il soit encore en vie. L'ancien duc Aegir a juré de renverser l'impératrice et appelle à présent les autres seigneurs à rejoindre sa cause. D'après ce que je sais, personne n'a accepté jusqu'ici, mais avec le temps, qui sait? Les nobles corrompus dont le statut et les intérêts ont été mis à mal par les réformes de Sa Majesté ne manquent pas. Les révoltes menacent l'Empire, croyez-moi. Comme si nous n'avions pas déjà eu assez à faire, ces gens ne pensent visiblement qu'à eux-mêmes. Nous devons agir vite et reprendre le fort dans la rapidité. Le destin continue de s'acharner sur nous, mais nous devons faire face et mettre immédiatement un terme aux machinations d'agir une bonne fois pour toutes. Si on regarde les choses du bon côté, Majesté, ceci pourrait être l'occasion de nous débarrasser de tous ces opposants d'un coup. En effet. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode de Fire Emblem Warrior 3 Hope. Cette fois, je me fais pas avoir en sauvegardant, ça passe directement dans le chapitre suivant. On s'arrête là pour cet épisode. J'avais prévu d'en faire deux cette semaine, mais je pense que, vu l'heure, je vais plutôt favoriser les autres séries, soit Fire Emblem Engage et Octopath Traveler 2. Et puis si jamais j'ai le temps d'en faire un deuxième, j'en ferai un second, mais je pense pas. Je favoriserai également Tears of the Kingdom pour le coup, pour faire des épisodes bonus. Parce que j'ai quand même bien plus envie de jouer à Tears of the Kingdom qu'à Fire Emblem Warriors, je vais pas vous le cacher. Donc j'avais dit, hein, de toute façon, à la base, entre 1 et 2 épisodes de Three Hopes, je pensais pouvoir en faire 2. Généralement, on va essayer d'en faire 2. S'il y en a qu'un, c'est pas grave. Ce sera des épisodes peut-être un peu plus longs. Voilà. On s'arrête là pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, probablement pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.